une modification. Ce soir, ce sera un balcon défouloir. Po, 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 po. Là, c'est versé. Ce ne sera pas seulement un balcon, ce sera un balcon défouloir. Donc, les deux mélangés. Oh, un cadavre doit mourir. Un cadavre doit mourir. Balcon défouloir, un mauvais mélange. Un mélange tintinnabulant, comme disent ceux qui parlent français. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc, quand il sera 21h à Mbilatène, à Ngouabilaga, à Sayo, à Bataillon, il faut être au balcon. Ce serait la même heure au lac Ayem, à Eyamion, à Ndog et à Magiela. Vous serez assis au balcon. Ce serait un balcon défouloir. Et il y aura deux sujets aujourd'hui. Désormais, l'innovation, avec le retour du balcon, l'innovation, c'est quoi? C'est que on doit trouver un sujet social, un sujet politique et un sujet économique. Ça va être comme ça. Désormais. Donc, vous trouverez trois sujets. Mais aujourd'hui, on aura deux sujets parce qu'il y a un seul sujet qui fait politique et économie à la fois. Oh là là, ça va barder. Ah, on va parler des tentacules du réseau de Flavienne Foumou, la vendeuse d'enfants. On va encore parler d'elle aujourd'hui. Que les gens se suicident, ceux qui ne sont pas d'accord. On va parler d'elle. On va parler du député qui est complice du réseau aussi. Ah, on va parler, parce qu'il faut qu'on lève l'immunité de ces députés-là. On va parler des ramifications à l'extérieur. Parce que même en France, Flavienne Foumou a fait des choses. Elle est venue en France, elle a fait des choses. Vous allez découvrir ce qu'elle a fait en France. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus. Et ça va barder ce soir. Ah, ça, c'est mauvais. Balcon défouloir, c'est mortel. Balcon défouloir, c'est mortel. Parce que on va parler de ça. Il y a même une femme qui a bénéficié d'un enfant vendu par Flavienne Foumou. Elle est en France. Elle a bénéficié d'un enfant vendu. On va parler de ça au balcon aujourd'hui. Au ça, c'est mauvais. C'est mauvais. Balcon défouloir. Donc, le balcon et le défouloir mélangés en même temps. Un cadavre doit mourir. Donc, c'est mauvais ce soir. On va parler de cette affaire d'habitat. Mais on parlera aussi du deuxième sujet. On va parler des pompes à pognon de Sylvia Bongo, la première dame par défaut du Gabon. On va parler de ces pompes à pognon, combien elle retire à l'État gabonais, voire ces pompes à pognon qui sont des ventouses. C'est un sujet politique et économique. On va parler de ça. Les complicités. On va parler même des gens qui ont déjà réalisé des immeubles. On va montrer des immeubles. Oui. Parce qu'on sera en mode Yipanzbitsaka et en mode déshabiller les habits. Wow. Les deux mélangés. Yipanzbitsaka et déshabiller les habits ensemble. Un cadavre doit mourir. Un cadavre doit mourir. Donc ne ratez pas ça. Même si vous écoutez qu'il y a une veillée de sorcellerie là-bas, vous dites, on ira là-bas après. On ira là-bas après. Vous dites que nous, on va d'abord au Shabbat. À partir de 21h,
heure de Nzela, dans le département de Mulundu, dans le canton Ogoué-Aval, il faut être assis au Shabat. C'est la même heure à Ondimba, dans le département de Timbwe, dans la province de l'Ouest-Maritime. Il faut être assis au Shabat. C'est la même heure du côté de Edung Along, dans le département de l'Okano, à 7 km de Minzik, dans la province de l'Orientem, dans le nord du Gabon. Il faut être assis au balcon. Ah, dek, dek. Ça, c'est mauvais. C'est mauvais. On va tout sortir aujourd'hui. On enlève les habits. On enlève les habits. Ils ont posé des actes comme des fous. Nous aussi, on va se comporter comme des fous. Pourquoi allons-nous garder nos habits alors qu'ils ont enlevé les leurs? On va se déshabiller. Ça va barder au Shabbat ce soir. Quand il sera 21h à Soukila, à Sanda, à Djabé, à Mivoundiri. Ça, c'est à Mwabi, dans la province de l'Anyanga, dans le département de la Duni précisément. Il faut être assis au Shabbat. Quand vous allez voir votre montre là, 21h00, il faut être déjà assis au Shabbat. 21h00, heure de Malunga. C'est à 50 km de Mayumba, dans le département de la Basse-Banio, toujours dans la province de la Nyanga. Il faut être assis au Shabbat parce que ça va barder. Voilà, il ne faut pas rater. Quand vous allez voir qu'il est 21h, à Kanda, à 7 km de Mbigou, dans la province de la Ngounié, dans le département de la Boumilouti aussi précisément, vous allez vous asseoir au Shabbat parce que ça va barder. Ça va barder. Voilà. Donc, faut pas rater. Ce sera la même heure à Sekaseka, à Nombo, à Etava, à Bilengi, dans le département de la Ngounié. Et ces villages-là sont situés respectivement à 5, 28, 35 et 60 km de Mimongo, le chef-lieu du département de l'Ogulu. Il faut être assis au Shabbat. Faut pas rater, oh. Faut pas rater. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont craquer. Okay. Faut pas rater. Je vous donne une seule heure. Même si vous voyez que le metteur en scène n'est pas encore là. Vous vous asseyez au Shabbat. Vous attendez. Parce que le match va démarrer. Il y aura des pugilats oratoires aujourd'hui. Ça va barder. Il y a encore des gens qui vont appeler, qui vont péter les câbles. Parce que les vérités qui vont sortir aujourd'hui là, c'est balcon défouloir. Donc, mode qui pense Bissaka mélangé au mode déshabiller les habits. Oh, ça c'est mauvais. Je vous dis, c'est mauvais. Donc, faut pas oublier ça. Quand vous allez voir qu'il est 21h à Ikoalan-Diondjo, dans le département de la Zadié, ça c'est dans la province de Logoué-Ivindo, dans le nord-est du Gabon, vous vous asseyez au balcon. Quand vous allez voir qu'il est 21h à Bibouka, vous vous asseyez au balcon. Quand vous allez voir qu'il est 21h du côté de Bundjuku, dans le district de Matsatsa, dans le département de Mulundu, vous vous asseyez au balcon. Ce serait la même heure à Izigo, dans le département de Timboué. Même heure du côté de Messia 2, dans le canton Kié, dans la province du Welentem. Vous vous asseyez au balcon pour suivre l'information. C'est la même heure à Andom-Odzip, toujours dans le canton Wolo, mais cette fois-ci dans la province du Welentem. Vous vous asseyez au balcon. C'est la même heure du côté de Ngomessi-Eba, dans le département de l'Okano, à Minzik. Vous vous asseyez au balcon. Même heure à Dibouangui, dans le département de la Boumilouti. Ça, ce n'est pas très loin de Lebamba. Vous vous asseyez au balcon. C'est la même heure du côté de Yenne, dans le Goyivindo, du côté de Boué, du côté du canton Fien-Okano. Vous vous asseyez au balcon pour suivre les informations du pays.
Ça va barder ce soir. Ça va barder. Donc, il ne faut pas rater ça. Quand vous allez voir qu'il est 21h du côté de Ndombe Douma, dans le Moyen-Ougoué, vous vous mettez au balcon. C'est la même heure du côté de Mutsubiri. Vous vous asseyez au balcon pour suivre les informations du pays. C'est la même heure du côté de Minganga, du côté de chez moi à Tchibanga. Quand vous allez voir qu'il est 21h du côté de Migoma, quand il sera 21h du côté de Vietono, du côté de Lusewusu, vous vous asseyez au balcon. Ce sera la même heure dans les quartiers de Tchibangala, la carrière commerciale, la Nyanga, même hors de la commune, à Dihoudou, vous vous asseyez au balcon. Quand il sera 21h dans le canton du Sock, vous vous asseyez au balcon. N'allez pas écouter les sorciers qui vont vous dire ne partez pas. Ils veulent vous distraire parce qu'ils veulent vous empêcher d'écouter les informations importantes du pays. Voilà. Donc, quand il sera 21h à Rendougou, hein, à Rendougou, vous vous asseyez au balcon. C'est la même heure du côté de Nzambi, dans le département d'Amoura là-bas. Ça, c'est non loin de Mouila, mais du côté de Yétsou. Vous connaissez là, là-bas. C'est chez moi aussi. Parce que moi, je suis un enfant du Gabon. Voilà, c'est la même heure du côté de Bangoussou. Vous connaissez Bangoussou? Il sera 21h à Bangoussou, dans le département de la Lebombi-Léyou. Voilà. Donc, ne ratez pas. 21h, heure de Bilimba, heure de Nguenda, heure de Missika, de Mississa, heure de Moukoko Mbaka, voilà. Vous savez ça, non? Moukoko Mbaka. Vous vous asseyez au balcon. Voilà. Faut pas rater ça. Parce que ça va barder. Je vous assure que ça va barder ce soir. On vous a dit un balcon, balcon défouloir. Je vous assure, je n'ai jamais entendu parler de ça. Balcon défouloir. Tout ça, c'est un mélange de têtes brûlées. Ça va barder. Un cadavre doit mourir. Ah, non, là, c'est mauvais, je vous assure. C'est mauvais. C'est mauvais, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment être assis au balcon ce soir pour suivre les informations du pays. Il ne faut pas écouter les sorciers comme je vous ai dit là. Parce qu'ils vont vous dire, oh non, il ne faut pas aller là-bas. Non, on parle de deux choses. Hein? On va parler de deux sujets aujourd'hui. Donc on va parler du sujet sur les ramifications des dames Flavienne Foumou qui est en détention préventive. Des ramifications, des complices, on va parler de ça. On va parler du député là. On va le citer nommément. Parce qu'au balcon, on ne parle. Au balcon, on cite les noms. On va citer le député là, on va mettre sa photo. Parce que le député là est complice. Il est complice. Parce qu'il a reconnu un enfant acheté. Vous voyez ça? Moi, faut pas compter sur moi pour cacher des choses comme ça. Un député, quelqu'un qui vote les lois du pays. Il va quand même reconnaître un enfant acheté. Ça va barder à partir de 21h, heure de Makatmangoy, heure de Zouatab, heure de Mbolo. Ça, c'est dans la commune de Makoko, dans le nord-est du Gabon. Ce sera la même heure à Mikambo. Donc, ça va barder. Ça va barder, je vous ai dit, ça va barder parce qu'on ne peut plus accepter ça. Donc, 21h, heure de Ovenc et Sandone à Bitam, ce sera la même heure à Obilville et à Niazan. Il faut être là parce qu'on doit parler haut et fort. On va dénoncer. Au balcon, rien ne se cache. Rien ne se cache au balcon. Donc, il ne faut pas oublier quand il sera 21h. Parce que ça va barder. Quand vous verrez 21h, heure de Mohoba, ça c'est dans l'Ouguéïvindo, sur la route de Kondia. Toujours donc là, ce qui va chez moi, à ma Katmangoy. Donc quand vous allez voir 21h, vous vous mettez au balcon. Il y a déjà même, vous avez vu, il y a une femme là et son bébé sont déjà assis au balcon.
Ils sont déjà assis au balcon parce qu'ils ont peur que les places soient trop surchargées. Donc, les mères et leurs bébés sont déjà assis au balcon. Donc, ça va barder. Quand vous allez voir qu'il est 21h à Ngon City, ça c'est à Mvoul toujours, vous allez être là. Quand vous allez voir qu'il est 21h à Kok, dans le département du Komo-Munda, il faut être là. Quand vous allez voir qu'il est 21h du côté des Medong, hein, dans le département du Wolentem, il faut être là. Vous allez rester peinard là, vous attendez, vous mettez comme ça, vous attendez, vous allez dire que, ah, on va avoir un peu de sorcier là, ça va sortir par là. C'est comme ça. Quand vous allez voir cette heure-là, quand vous allez qu'il est 21h du côté des Epemba-Gabédé, vous vous asseyez au balcon, vous restez là, vous attendez. Vous restez parce que c'est balcon défouloir. Vous avez compris? Il sera 21h en Afrique centrale. Donc du côté de Libreville, 21h. Du côté de Douala, il sera 21h. Du côté de Brazzaville, il sera 21h. Du côté de Kinshasa, il sera 21h. Il sera 20h du côté des Bamako, il sera 20h du côté de Dakar, du côté de Lomé, il sera 21h. Il sera 21h aussi à Moundakeke. Oh, là-bas c'est chez Ali, au Nigeria. À Moundakeke et à Kano, chez Ali. Voilà. Donc, vous serez assis au balcon parce qu'on doit parler des choses de la République. Il ne faut pas oublier, 21h, ce serait l'heure de la gloire. Aujourd'hui, c'est le balcon de la gloire. Vous avez compris? C'est le balcon de la gloire. Donc, il ne faut pas rater le rendez-vous d'aujourd'hui là, parce qu'il est important. On va dénoncer beaucoup de gens. Quand il sera 21h du côté de Sacqueville, dans le département de Locano, vers Lalara, voilà, vous vous asseyez au balcon. Il ne faut pas rater. Je vous dis, on ne rate pas un balcon comme ça là, parce que ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Donc, quand il sera 21h du côté des Passimonio, ça c'est à Mayumba, du côté des Nombeluma dans le Moyen-Ougoué, vous restez au balcon. Du côté des Nkolmessas, vous vous mettez au balcon. Parce que ça va barder. Quand vous verrez qu'il est 21h à Issibou, vous vous asseyez au balcon. Voilà. Il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas rater. Ah, des. Non, là, c'est mauvais, quoi. Hein? Donc, moi, je vais vous laisser, mais je vous rappelle une seule heure. Il n'y a pas plusieurs heures. C'est 21 heures du côté des Okok Batouri, dans le département du Thème. Vous vous asseyez au balcon. Surtout, on parle du Thème parce que c'est là-bas où qui a été l'épicentre même des enlèvements des enfants. Vous avez compris? Donc, quand il sera 21 heures du côté de Balouba, vous vous mettez assis au balcon. Voilà. C'est déjà tout dit. Donc, il ne nous reste plus qu'à nous dire à tout à l'heure, parce que naturellement, il y a des choses, des dossiers à préparer, parce que ça va barder ce soir-là. Ah, il pensait que le balcon était mort. Non! Le balcon ne peut pas mourir. Le balcon est immortel. Le balcon est immortel. Voilà. Le balcon est immortel. Et ce soir-là, ça va barder. Ceux qui pensaient que le balcon est mort, là, ils se trompent, c'est faux. Le balcon n'est pas mort. Le balcon est vivant. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier. Je vous rappelle la même heure, là. J'insiste sur l'heure. Parce qu'ils vont encore demander, oh, il est quelle heure, hein? Oh, le balcon, c'est quelle heure? Non, c'est 21 heures. À Ouagam, dans le canton Kié, à Oyem. Vous vous asseyez au balcon. 21h à Ngouma, dans le district de Sam, dans le département de Locano. Assis au balcon. 21h du côté de Bupionza et Ibundji, dans le Gololo. Vous mettez au balcon. 21h du côté de Moukabou, près de Mimongo. Assis au balcon. 21h du côté de Maloulou, près de Mbigou. Vous vous asseyez au balcon. 21h du côté de Nguendama-Sotty, dans le département de la Duini, près de Moabi. Assis au balcon. Faut pas oublier, oh, parce que ça a bardé aujourd'hui. Ah, Voilà. Donc, 21h du côté de Paga, dans le Gouet-Maritime. 21h du côté aussi du Touba. Hein? C'est toujours, cette fois-ci, dans la Nianga. Donc, c'est les provinces frontalières. La Nianga et le Gouet-Maritime sont
frontalière comme province. Donc, du côté de Lubomo, dans la basse Banyu, là, c'est près de Mayumba, vous mettez assis au balcon. Sur la même heure, à Messé, dans le département du Komokango, il faut être assis au balcon. C'est la même heure à Essonk-Okwi, dans la commune d'Oyem, dans la province du Welentem, dans le nord du Gabon. Vous vous asseyez au balcon. C'est comme ça. Il ne faut pas aller ailleurs. 21h, quand il sera 21h en Bomo, par Oyem, là, de part du Welentem toujours, vous vous asseyez au balcon. 21h du côté des Koumbi, des Pana, des Dienga, dans la province de l'Ogoué, de l'Ogoué, du moins, comment on appelle ça? Dans la province de l'Ogoué-Lolo. Voilà. Parce qu'il y a deux provinces là qui semblent être un pays. La province du Haut-Ogoué-Lolo. Non. Voilà, ce n'est pas le Haut-Ogoué-Lolo. Voilà. Donc, dans la province de l'Ogoué-Lolo. Voilà. Ce serait la même heure au centre de, hein, de l'Astourville, là, du côté de Kessipougou, chez moi aussi. Hein, quand il sera 21h à Kessipougou, vous vous mettez au balcon pour suivre le défouloir. Le balcon défouloir, voilà, c'est le balcon défouloir. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, j'espère que je ne vous ai pas oublié. Quand il sera 21h du côté de Oveng et Sandone Habitable, du côté de Mukongu, dans le département de Lofoué-Onoï, vous serez là. Du côté de Doubinda Forêt, du côté de Disco Mikanda, chez moi, dans la Nyanga, vous serez assis là. Du côté d'Akurnam à Ovindo. Faut être assis au balcon. Ce sera la même heure à Bemboudié, Bungunga. D'abord Yombi. Après, on entre à Bemboudié, Bungunga. On va à Malungu-Mabeya, Fanguindaka, Lambaréné Kili, Kanana, Ngombo, Mandji, Centre. Mais il y a Diangui et Meli qui sont là. Vous réveillez les gens qui sont là. Après, vous réveillez les gens qui sont dans la commune de Mandji et puis vous foncez à Peigné 1, Peigné 2. Après, vous ressortez. Vous allez à Petit Village, vous allez à Yeno, vous prenez Mukuna. Il y a une route qui sort là, distance longue de 15 km. Après, vous foncez jusqu'à Mukuna. Et de Mukuna, vous foncez jusqu'à Matsuka. Matsuka, vous prenez la pirogue, vous traversez l'autre côté pour aller à Fouanou. Vous réveillez les gens qui sont à Fouanou là. Vous réveillez Kapol, vous réveillez tous les gars qui sont là à Fouanou là. Après, il y a un petit raccourci qui sort jusqu'à derrière là-bas à Omengo. Donc, vous réveillez les gens d'Omengo et puis vous traversez aussi l'autre côté pour réveiller les gens de Sika, vous réveillez les gens de Nzambina-Tiengui, vous à Mouloumi, il n'y a plus quelqu'un. Bon, vous foncez à Massana, vous réveillez. Quand vous avez fini là, vous ressortez et de Yombi, vous allez réveiller les gens de Yombe 2. Après, vous foncez à Mouduma, vous réveillez les gens de Mouduma. Et Mouduma, vous allez aller à Yidouma aussi, parce que Yidouma ville, c'est le plus grand village là-bas, le plus grand regroupement de villages. Vous réveillez les gens qui sont à Yidouma ville, c'est chez moi. Voilà, vous réveillez les parents, vous dites qu'il y a l'office, l'enfant du village passe maintenant en mode qui pense des sacs et en mode déshabiller les habits. Donc vous réveillez mes parents qui sont là à Yidouma, les Aimé Samounio, les Joël Mourambo et tous. Vous réveillez tout le monde. Hein? Voilà, vous réveillez les Pamphiles, hein? Vous réveillez tout le monde. Personne ne doit dormir quand moi je passe. C'est l'enfant du pays. Quand l'enfant du pays passe en mode qui pense des sacs, en mode déshabiller les habits, personne ne doit dormir. C'est interdit de dormir. Voilà. Donc, après, vous foncez, vous arrivez à Mbouk, vous réveillez les gens de Mbouk. Quand vous avez fini de réveiller les gens de Mbouk, si vous trouvez Frédéric Massavala en train de dormir là, vous le réveillez. Tu dis non, il y a ton petit frère qui passe en mode qui pense des sacs. Et en mode déshabiller les habits. Donc, si Frédéric Massavala est en week-end là-bas, on dit non. Vous dites, vaille, réveille-toi. Hein? Vous dites, vaille, réveille-toi, parce qu'il y a le petit frère qui passe. C'est comme ça. Donc, quand il va se réveiller, et vous foncez à Doubou, hein? Vous réveillez les gens qui sont à Doubou. Hein? Voilà. Les gens qui sont à Doubou, vous les réveillez. Vous allez à Mouila, tout ça, tous les villages là, vous entrez du côté de chez moi là-bas, sur tous les villages là, vous réveillez les gens. Parce que l'enfant du pays vient à mode qui pense à des déshabiller les habits. Ah, non, là, c'est mauvais. Là, c'est mauvais. Aujourd'hui, là, il m'envoie l'ABC. J'imagine. Voilà. Donc, tout à l'heure, moi, je vais vous laisser parce que ça va chauffer. Il faut préparer les émissions. Il faut préparer les lignes parce que avec les sorciers, là, ils peuvent nous surprendre, boycotter encore les lignes.
Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils sont comme ça. Ils n'aiment pas la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas, heureusement. La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. Ça va barder. Ça va barder. Il y a encore des gens qui vont péter le câble aujourd'hui. Mais tant pis. Nous, on s'en fout. De toute façon, le cuisinier se fout de la colère du poulet. Hein. Le cuisinier se fout de la colère du poulet. Aujourd'hui, là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. La vérité va se savoir sur le réseau de Madame Flavienne Foumou, sur les pompes à sous de Sylvia Bongo. On va parler de tout ça aujourd'hui là. Ah, Today. Voilà, aujourd'hui là, ça va barder. Voilà. Donc, à 21h, même heure, du côté de ma Katmangoy, du côté de Libreville, du côté de Bisangobibéré aussi, il ne faut pas oublier les gens qui sont là-bas, il faut les réveiller. Hein? Il faut aller réveiller même les gens qui sont chez Biogemba là-bas. Hein? Il ne faut pas oublier. Voilà. Il ne faut pas oublier les gens de Biogemba là-bas. Vous allez les réveiller pour dire que le baracon passe à Modi Kipanz-Bissaka. Vous réveillez le chef des tortues. Il ne faut pas qu'il dorme tout. Hein? Vous réveillez le chef des tortues. Donc à Bikélé. Voilà. Vous allez vous réveiller le chef des tortues à Bikélé. Vous allez aussi réveiller l'international. Parce qu'il habite là-bas, l'international. Vous connaissez l'international, non? Voilà, c'est un grand maître spirituel, il habite là-bas. Il faut qu'il vienne voir. Peut-être qu'il va exorciser tous ces sorciers-là. Ceux qui vendent les enfants, les complices, les machins, tout ça. Voilà. Et ceux qui souffrent de la kleptomanie, il faut qu'ils aillent chez International là-bas. Hein? Mon ami, grand frère, El Abissa. Voilà. Vous allez là-bas, il faut le réveiller. Comme ça, il va suivre le balcon avec nous, mes chers amis. Ce soir.